Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Oula. Voici les titres du journal. Un seul grand titre de l'actualité nationale aujourd'hui. Sa Majesté le Roi a prononcé hier un discours à la nation à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte. Discours dans lequel le souverain appelle à la résolution définitive du conflit artificiel autour du Sahara marocain et annonce une initiative d'envergure à l'adresse des Marocains du monde, la création de la Fondation Mohamedia des Marocains résidant à l'étranger pour valoriser leur contribution au développement de leur pays d'origine. Le peuple marocain a célébré hier, mercredi 6 novembre, le 49e anniversaire de la Marche Verte. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un discours à son peuple fidèle, un discours dans lequel le souverain affirme que le Maroc s'emploie avec succès dans le cadre de la défense de son intégrité territoriale à consacrer l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable fondée sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l'engagement responsable. Et puisque les Marocains du monde sont parfaitement engagés dans la défense de la première cause nationale, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a exprimé une reconnaissance particulière à ces Marocains, les qualifiant de patriotes engagés. Et pour renforcer leur lien avec la mère patrie, le souverain a annoncé sa décision d'opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires des Marocains résidant à l'étranger. Voici à présent la traduction du texte intégral du discours royal. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. Cher peuple, nous sommes particulièrement fiers de commémorer aujourd'hui le 49e anniversaire de la Marche Verte. Pacifique et populaire, elle permet de récupérer le Sahara marocain et d'affermir l'attachement de sa population à la mère patrie. Depuis lors, le Maroc s'emploie avec succès à consacrer l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable fondée sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l'engagement responsable. قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية ويتجلى ذلك من خلال أولا Il s'agit notamment, premièrement, de l'attachement de nos fils du Sahara à leur marocanité et au symbole sacré de la nation en vertu des liens séculaires de la Béa qui unissent la population du Sahara et les rois du Maroc. Deuxièmement, de la dynamique de renouveau et de développement de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain. Troisièmement, de la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et du large soutien à la proposition d'autonomie. En contraste avec cet état de choses légitime et naturel, se dresse malheureusement une autre configuration déconnectée du monde réel, en ce sens qu'elle se nourrit des mythes du passé et s'accroche désespérément à des thèses périmées. Parmi ses tenants, les uns réclament toujours la tenue d'un référendum en dépit de l'abandon de cette option par les Nations Unies du fait de son inapplicabilité. Dans le même temps, ce sont les mêmes qui refusent le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf ou
Tenues en otage dans des conditions lamentables, elles sont humiliées, malmenées, privées des droits les plus élémentaires. Les autres, dans leur convoitise d'un accès à l'Atlantique, instrumentalisent l'affaire du Sahara. À cela, nous disons tout simplement que nous n'y sommes pas opposés. De fait, ainsi que chacun le sait, le Maroc a été l'artisan d'une initiative internationale tendant à faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Conçue dans un esprit de collaboration, de partenariat et de progrès partagé, cette entreprise se propose d'être bénéfique à l'ensemble des pays de la région. Il y a ensuite ceux qui se servent de l'affaire du Sahara comme paravent pour couvrir leurs nombreux problèmes domestiques. Il y a aussi une autre catégorie qui détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées. À cela, nous disons que les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes, celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime, et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions. Cher peuple, l'affaire de notre intégrité territoriale se trouve à une phase qui requiert la mobilisation permanente de tous. À cet égard, nous tenons plus particulièrement à saluer le patriotisme des Marocains résidents à l'étranger et leur engagement à défendre les symboles sacrés de la nation et à contribuer au développement de leur pays. Afin de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère patrie, nous avons décidé d'opérer une nouvelle transformation dans le monde de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Les institutions concernées seront ainsi restructurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l'éparpillement des intervenants et afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. À cette fin, nous avons orienté le gouvernement pour qu'il procède à la restructuration de ce cadre institutionnel autour de deux entités clés. La première est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, qui, en tant qu'institution constitutionnelle autonome, doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté. À cet égard, nous appelons à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. La seconde est la Fondation Mohammadia des Marocains résidents à l'étranger. Cette instance, dédiée une fois créée, deviendra le bras opérationnel de la politique publique en la matière. Ainsi, la nouvelle fondation sera chargée d'agréer les attributions actuelles dispersées entre une multitude d'acteurs, de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale dédiée aux Marocains résidents à l'étranger. En outre, cette nouvelle structure assurera la gestion du mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidents à l'étranger, dont nous avons appelé de nos voeux la création et que nous avons inscrit en tête des missions dévolues à la Fondation. Le but est d'ouvrir la voie aux compétences et aux expertises marocaines installées à l'étranger et d'accompagner les porteurs d'initiatives et de projets. Par ailleurs, nous attendons de cette institution qu'à la faveur de l'implication des départements ministériels concernés et des différents acteurs, elle donne une forte impulsion à l'encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues. À ce propos, la simplification et la numérisation des procédures administratives et judiciaires à l'intention de nos fils établis à l'étranger figurent parmi les défis majeurs que cette instance devra relever. Nous avons également à cœur d'ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la communauté qui sont désireux d'investir dans leur pays. En effet, il est inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10%. Cher peuple, les sacrifices de la génération de la Marche verte nous incitent à plus de mobilisation et de vigilance pour renforcer nos acquis en ce qui concerne la consolidation de la marocanité du Sahara et pour poursuivre la dynamique de développement à l'œuvre dans nos provinces du Sud. Dans le même esprit, il faut veiller à ce que les fruits du progrès et du développement profitent aux citoyens de toutes les régions du pays, du Rif au Sahara, de l'Oriental à l'Océan,
en passant par les zones montagneuses, les plaines et les oasis. La célébration de la glorieuse marche verte est l'occasion pour nous de nous remémorer l'éternel serment de cette épopée, en gage de fidélité à la mémoire immaculée de son artisan, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, ainsi que des valeureux martyrs de la nation. Le discours royal prononcé hier à l'occasion donc du 49e anniversaire de la Marche verte est un acte de fermeté et de clarté stratégique. Le souverain y réaffirme notamment la sacralité de l'intégrité territoriale du royaume et annonce une nouvelle orientation stratégique pour la gestion des affaires des Marocains résidant à l'étranger. Sofia Feghrout. Alhamdulillah, wassalat, wassalam, ala moulana, rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte revient sur les avancées enregistrées dans la défense de l'intégrité territoriale du royaume, notamment la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et le large soutien à la proposition d'autonomie. Sa Majesté le roi a loué les réalisations de la diplomatie marocaine conformément à la vision stratégique royale à travers le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Et ceci est aussi un message aux ennemis de l'intégrité territoriale qui se cachent derrière des manœuvres comme la séquestration de la population à Tindouf, le camouflage de leurs problèmes derrière ce dossier ou encore le raisonnement fallacieux dans le domaine du droit. Des visions obsolètes et des solutions inapplicables aux antipodes de l'approche réaliste et pragmatique du Maroc dans ce dossier. أكد كذلك جلالته على يعني أن العالم بأسره أصبح يرى أن المغرب. Sa Majesté le roi a affirmé que le monde entier a vu la vérité et que le Maroc est dans son droit. En témoignent les nombreuses reconnaissances de la marocanité du Sahara. Sauf les voisins déconnectés du monde, ceci prouve toute la rigueur avec laquelle est pris le sujet en vue d'une solution définitive à ce conflit. Et parmi les fervents défenseurs de l'intégrité territoriale, les Marocains résidant à l'étranger, d'où cette association dans le discours hautement symbolique du 6 novembre. Le souverain met en avant les formes de liens et les expressions d'attachement des Marocains du monde à leur pays d'origine qui sont aujourd'hui aussi multiples que variés. Les Marocains résidant à l'étranger, qui sont très attachés au Maroc et qui défendent l'intégrité territoriale, bénéficient d'une attention toute particulière de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a annoncé la réorganisation du cadre institutionnel qui régit leurs affaires. Le souverain a annoncé un nouveau virage dans le domaine de la gestion des affaires de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Et cette réforme des instances en charge des Marocains du monde, ordonnée par Sa Majesté le roi, repose sur une nouvelle architecture institutionnelle à deux piliers.
C'est une directive qui s'adresse au gouvernement. D'abord sur la nécessité de promulguer la loi relative au conseil de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Ensuite, sur la création de la fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger. Sa Majesté le Roi a par ailleurs appelé à la simplification des procédures administratives pour cette communauté. Il s'agit d'ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la communauté qui sont désireux d'investir dans leur pays, affirme Sa Majesté dans son discours. Une volonté royale en faveur d'une refonte profonde et prospective pour une meilleure intégration des Marocains résidant à l'étranger dans le processus de développement national. En duplex depuis Casablanca avec nous, Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Bonsoir, c'est El-Harichi. Bonsoir. Le discours de Sa Majesté le Roi, prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, est un prolongement du discours royal d'ouverture du Parlement. Alors, il revient sur les avancées enregistrées dans le dossier du Sahara marocain. Quelle lecture faites-vous ? Tout d'abord, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une démonstration majestueuse du paradigme, d'une part du paradigme de la légitimité historique et de la véracité juridique de la marocanité du Sahara, et qui repose sur des fondamentaux inébranlables, à savoir, comme a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les liens séculaires qui unissent les enfants, les fils du Sahara marocain avec les rois du Maroc. Aussi, la dynamique qui a été insufflée dans les régions, les provinces sud du Maroc et qui permettent un essor, un développement et aussi la stabilité et la sécurité au niveau du Sahara marocain. Et enfin, la reconnaissance internationale. La reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara et surtout le grand soutien au projet d'autonomie proposé par le Maroc et dans, bien sûr, dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté marocaine. La meilleure démonstration aussi, c'est la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2756, et qui soutient et qui est en faveur du projet proposé par le Maroc et de la marocanité du Sahara comme celles qui l'ont précédé. Donc, avec une dynamique, politique clairvoyante de Sa Majesté le Roi, diplomatiquement, les résultats, ils sont là. De succès en succès, la communauté internationale, l'attachement des Marocains et des enfants des provinces sud à la marocanité du Sahara et aussi la prospérité et l'essor au niveau du Sahara marocain. Bien sûr, de l'autre côté, il y a, comme l'a souligné Sa Majesté, il y a un autre paradigme. Oui ? Oui, allez-y, frère. Oui, il y a un autre paradigme qui s'inscrit dans une thèse fallacieuse, une thèse qui ne repose pas ni sur l'histoire, ni sur les éléments juridiques. Une thèse qui est héritée passéiste, surannée, qui est héritée du passé. Et cette thèse-là, les porteurs de cette thèse, d'abord évoquent par exemple le référendum ou la tenue d'un référendum. C'est une notion désuète aujourd'hui, le référendum par rapport au Sahara. Il est abandonné par les Nations Unies. Et comment peut-on faire un référendum comme le souligne Sa Majesté dans son discours, alors que les populations sont séquestrées et prises en otage au niveau du camp de Tindouf. Donc, ce paradigme-là, il s'inscrit en faux, il est fallacieux. Il y a aussi des voisins qui ont des problèmes, internes. Et ces problèmes internes, pour les résoudre, pour essayer de faire diversion, effectivement, ils sont là pour... Et ça,
Ils sont là contre le Maroc, ils s'inscrivent à l'encontre de la marocanité du Sahara. Ali El-Harichi, le souverain n'a pas manqué aussi dans son discours de mettre les Nations Unies face à leurs responsabilités. Alors le message étant un peu plus fort, le Sahara est une réalité irrévocable et donc les ambiguïtés internationales ne sont plus tolérées. Tout à fait, ils ne sont plus tolérés. La communauté internationale, dans son ensemble, reconnaît la marocanité du Sahara. Au niveau du Conseil de sécurité, nous avons les États-Unis, nous avons la France qui sont des membres permanents, et puis tous les États du Conseil de sécurité qui s'inscrivent dans la proposition marocaine. Les Nations Unies doivent jouer leur rôle aujourd'hui et dire que c'est un conflit fallacieux qui est indifférent, créé de toutes parts depuis la guerre froide et qui dure depuis 49 ans. On est à la 50e année. Le Maroc travaille comme leader dans son environnement régional, méditerranéen, africain, pour le développement, pour la stabilité, pour la sécurité, alors que d'autres, malheureusement, sont là en train de chercher de bloquer ce développement, cet essor, non pas seulement du Maroc, mais de toute la région. La proposition et l'initiative de Sa Majesté par rapport à l'ouverture de l'Atlantique pour les pays du Sahel est aussi une main tendue, encore hier, pour les pays s'ils convoitisent, comme le dit Sa Majesté, avoir un accès sur le Sahel. Le Maroc, il a déjà proposé une initiative internationale. Donc, le Maroc adhère au pragmatisme, au réalisme et à la prospérité commune. Alors, d'autres acteurs, malheureusement, ils sont toujours dans le passé. Oui. Alors, les manœuvres de certains pays ont également été dénoncées dans le discours royal. Peut-on dire, si Ali El-Harichi, que ce sont des agissements qui témoignent de la faiblesse des ennemis de la nation ? Oui, tout à fait. Ça témoigne d'une manière assez claire, assez limpide, de la faiblesse de ces ennemis de la nation. Parce que ces ennemis du Maroc, ils ont des problèmes chez eux, des problèmes domestiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et ils sont en train de s'inscrire dans ce qu'on appelle en sciences politiques de la théorie de l'ennemi de Carl Schmitt pour essayer de faire diversion. Et alors que le Maroc a toujours tendu la main. Le Conseil de sécurité, la dernière résolution, il a cité 5 fois le pays voisin pour qu'il s'assoie avec le Maroc comme état partie de ce conflit, comme cela a été fait en 2018 et en 2019 autour de table ronde pour avoir la solution, c'est-à-dire une solution finale, la solution politique, que la communauté internationale y adhère, encourage et même la propose. Comme je citerai le président de la République française qui disait « Le Sahara, le présent du Sahara et l'avenir du Sahara, il sera toujours marocain. » Et le Maroc ne peut pas laisser, c'est-à-dire aucun grain de sable de son Sahara. L'intégrité territoriale du Maroc est un fait historique, est un fait juridique. Et aujourd'hui, je pense que les ennemis du royaume doivent s'inscrire dans, je dirais, la sagesse et aussi dans la bonne foi. Dans la bonne foi et dans la main tendue qui est toujours faite par le Maroc pour résoudre définitivement ce conflit fallacieux. Monsieur Ali El-Harichi, merci de nous avoir apporté votre éclairage sur le discours prononcé par Sa Majesté le Roi lors de l'anniversaire de la Marche Verte. Merci. Et parmi les fervents défenseurs de la première cause nationale, les Marocains du monde qui ont été au cœur du discours de Sa Majesté le Roi. Avec nous sur le plateau ce soir, une des membres actives de la diaspora, Madame Zineb Hatim, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes présidente du réseau Maroc Entrepreneur France. Alors, le souverain a annoncé un nouveau virage dans le domaine de la gestion des affaires de la communauté marocaine résidente à l'étranger.
L'objectif étant de renforcer donc le lien entre cette frange de la population et la mère patrie. Que vous inspire, ça sera ma première question, cette haute sollicitude, dont le souverain entoure la diaspora marocaine, et vous en faites partie justement. Tout à fait. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, hier à l'occasion de la 49e anniversaire de la Marche Verte, où il met à l'honneur les Marocains du monde, et autant que femme marocaine du monde, je ne peux être que fière de cette bienveillance royale continue. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et de fierté qu'on a tous suivi le discours de Sa Majesté hier soir. Alors, Sa Majesté le Roi a annoncé dans son discours une initiative d'envergure pour les Marocains résidant à l'étranger, la création de la Fondation Mohamedia des Marocains résidant à l'étranger. Une fondation qui aura notamment pour mission de valoriser les contributions de la diaspora au développement du pays d'origine. Vous, en tant que présidente du réseau donc Maroc Entrepreneur en France, que pensez-vous de cette initiative ? Le discours de Sa Majesté, c'est un discours solennel et avec des visions qui sont très claires. La vision est claire, les directives, elles sont claires, c'est de passer à l'étape suivante et à la vitesse suivante. Autant que Marocaine du monde, je peux dire que le Maroc a été précurseur dans les sujets et dans les sujets liés à sa diaspora, notamment à travers la création de la fondation Hassan II pour les MRE, la création du CCME qui est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, la digitalisation des procédures administratives consulaires. Donc on est déjà à l'avance par rapport à d'autres pays africains notamment et d'autres pays dans le monde par rapport aux sujets liés à sa diaspora. La création de cette fondation ne peut que être la bienvenue et très attendue, parce que aussi les profils de la diaspora changent et les attendus aussi du Maroc changent et on suit avec. Alors, le souverain a également appelé dans son discours à ouvrir un nouvel horizon aux investissements des Marocains du monde, au Maroc, qui représente à peine 10% de l'investissement privé dans le pays. À votre avis, quels sont les secteurs d'investissement qui pourraient intéresser les Marocains de la diaspora et de France en particulier ? Je ne vais pas parler de secteur précisément, mais je vais parler de compétences. Et de là où je suis, je peux dire que la diaspora et les Marocains du monde regorgent de compétences dont les institutions et les grands groupes occidentaux jouissent aujourd'hui. Et les Marocains du monde, maintenant, ils ont des projets pour le Maroc. Des projets dans la green tech, des projets dans l'industrie, des projets dans les énergies renouvelables. Et le discours royal vient pour appuyer et pour faciliter l'investissement et l'implication de ces Marocains du monde dans le développement de notre royaume. Et il y en a qui reviennent investir d'ailleurs dans le royaume. Tout à fait. C'est avec beaucoup d'engouement que les Marocains du monde reviennent au Maroc. Et ce que je peux dire, c'est juste que le lien entre les Marocains du monde et le Maroc, et le royaume et le roi, est un lien indéfectible qu'on n'arrive pas à définir, qu'on n'arrive pas à reproduire et qu'on ne le voit pas ailleurs dans d'autres diasporas. Madame Hatim, Zineb Hatim, merci d'avoir été notre invitée sur le plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau Maroc Entrepreneur France. Merci. Dans son discours, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger, dans l'objectif de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère patrie. Les institutions concernées seront ainsi restructurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l'éparpillement des intervenants afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. C'est ce qu'a affirmé le souverain dans son discours. Le souverain a appelé à cet égard à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. La seconde entité a poursuivi Sa Majesté le Roi et la Fondation Mohamedia des Marocains résidents à l'étranger, nous en parlions, qui, une fois créée, deviendra le bras opérationnel de la politique publique en la matière. Cette nouvelle fondation sera chargée d'agréer
intégrer les attributions actuellement dispersées entre une multitude d'acteurs, de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale dédiée aux Marocains résidents à l'étranger. سيدات السادة أعضاء الحكومة في بداية أشغال هذا المجلس ونحن نخلي ديتيكا 49 للمسيرة الخضراء أود أن أستحضر الخطاب الملكي الهام الذي وضع Discours royal a été naturellement au cœur des travaux du Conseil de gouvernement. Le chef du gouvernement a passé en revue son contenu. Aziz Akhnouch a souligné que Sa Majesté le Roi a mis les Nations Unies devant leurs responsabilités pour la résolution du différend artificiel autour du Sahara marocain qui n'a que trop duré. Il a assuré que l'ensemble des composantes du gouvernement seront mobilisées pour poursuivre la défense de la question nationale, notamment en cette période cruciale que connaît le dossier de l'intégrité territoriale. Par ailleurs, le chef du gouvernement a affirmé qu'en application des hautes directives royales, le gouvernement œuvrera avec le sérieux et la célérité requises pour mettre en œuvre la vision royale en vue d'assurer la coordination et la convergence des attributions pour répondre aux nouveaux besoins de la communauté marocaine à l'étranger. Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, et dictant des dispositions spéciales. L'exécutif a également adopté un projet de décret relatif à l'approbation des chiffres fixant le nombre de la population légale du royaume. Le nombre de la population légale du royaume s'élève à 36 828 330 habitants au 1er septembre. C'est ce en 2004, ce qui fait ressortir les résultats globaux de l'opération de recensement. Parlons à présent d'un phénomène qui ronge nos établissements scolaires, le harcèlement en milieu scolaire. De nombreux enfants sont victimes de maltraitance verbale ou physique et cela affecte sérieusement leur santé psychologique. La Journée internationale de lutte contre ce mal de société, célébrée aujourd'hui 7 novembre, vise à sensibiliser à ce phénomène et à surtout briser l'omerta. Le Maroc prend à bras le corps ce fléau. Une campagne a d'ailleurs été lancée par Son Altesse Royale, la princesse Leila Meryem, qui était accompagnée de Madame Brigitte Macron. C'était le 29 du mois dernier. Sophia Fegelout. C'est l'endroit supposé inspirer un sentiment de sécurité à chaque enfant. Mais pour certains, l'école inspire peur et angoisse. Selon une enquête réalisée en 2021-2022 au Maroc, au moins 15% des élèves du primaire et 30% des élèves du secondaire disent être victimes de harcèlement dans leurs établissements scolaires. Des enfants et des adolescents qui peuvent se reconnaître dans cette capsule vidéo mise en place par l'Observatoire national des droits de l'enfant. La capsule est diffusée dans les établissements scolaires pour sensibiliser à ce phénomène. Depuis le 29 octobre, Son Altesse Royale, la princesse Leila Meryem, a lancé la campagne contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Depuis ce jour, dans presque 3 700 écoles dans tout le Maroc, la capsule qu'a mis en place l'Observatoire national des droits de l'homme a été diffusée afin de sensibiliser sur ce phénomène violent qui peut avoir des impacts importants sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Des impacts comme la déscolarisation, l'isolement social, l'anxiété ou la dépression et dans des cas extrêmes, le suicide. La campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement, lancée le 29 octobre par Son Altesse Royale, la princesse Leila Meryem, en présence de son invitée Madame Brigitte Macron, a un résultat palpable dans les établissements scolaires, comme ici, dans ce collège de Ouerzazate. Élèves, enseignants et cadres pédagogiques ont visionné ensemble la capsule de sensibilisation et les discussions qui ont suivi étaient des plus enrichissantes.
Ce matin, nous avons regardé une vidéo sur le harcèlement scolaire. Nous avons discuté ensuite avec nos professeurs et nos camarades de classe. Il faut respecter nos camarades et respecter l'école. Stop au harcèlement. L'objectif du visionnage de la capsule est de chercher des solutions avec les élèves à ce problème. L'activité s'est bien passée et tous les élèves ont participé. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Chacun peut faire l'objet de harcèlement, même moi, professeur, ou n'importe quel élève, quel que soit son profil. Et c'est pour cela qu'il faut réunir tous les efforts pour combattre ce fléau. Et pour être mieux armé, un programme de formation sur 3 ans est lancé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. À terme, 7000 enseignants deviendront eux-mêmes formateurs selon la méthode de préoccupation partagée. En attendant, voici le guide de recommandation pour l'animation des ateliers à mener en classe et qui a été élaboré et distribué aux enseignants des collèges et lycées participants. Le Maroc élu à la majorité vice-président d'Interpol pour l'Afrique, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale indique que le représentant du Royaume a été élu grâce au vote des délégués de 96 pays membres avec une large avance par rapport au reste des candidats lors de l'opération de vote qui s'est déroulée à l'occasion de la 92e Assemblée générale d'Interpol tenue à Glasgow du 4 au 7 novembre en Écosse. La candidature marocaine s'inspire des hautes orientations royales érigeant la coopération sud-sud en choix stratégique et en priorité pour le Royaume et ses partenaires africains, selon une vision pragmatique fondée sur le développement des relations liant le Maroc aux pays africains à tous les niveaux, y compris sécuritaires. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef El-Hamouchi, qui a présidé la délégation du Royaume du Maroc à cette 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol à Glasgow, a pris part aux discussions multilatérales et à des rencontres bilatérales qui ont porté sur les moyens de renforcer la coopération sécuritaire internationale et l'action policière commune, outre le soutien de l'appui à la candidature du Maroc à la vice-présidence d'Interpol pour l'Afrique. On passe au sport, football, éliminatoire groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations. 26 joueurs convoqués par Walid Regragui pour les matchs face au Gabon et au Lesotho. Face au Gabon, ça sera le 15 novembre à Franceville et au Lesotho le 18 du même mois au stade d'honneur d'Oujda. Nous retenons le retour de Yassine Bounou et de Brahim Diaz après leurs blessures et le retour également de Adem Messina à la tanière des Lions de l'Atlas. Et convoqué également le gardien de l'AIS FAR, Ayoub El-Khayati, le sélectionneur national, tiendra d'ailleurs une conférence de presse mardi prochain au complexe Mohamed VI de football à Salé. Ça sera à 18h. Tout comme l'ensemble des villes du Royaume Fès a célébré avec faste le 49e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, un défilé grandiose a arpenté les grandes artères de la cité. Petits et grands se sont donc retrouvés pour commémorer l'événement au rythme de chants et danses patriotiques. Dominique Orlando et Asmat Tessi. Cette grandiose s'est emparée des ruelles et avenues de la ville de Fès et l'on pouvait de part et d'autre ressentir la grande fierté d'y prendre part. La célébration de la Marche Verte est un moment de communion qui convoque l'ensemble de toute la nation. Nous partageons ce grand bonheur avec nos enfants et nos familles grâce à plusieurs associations de la ville. Fès a pu abriter ce magnifique carnaval et nous sommes tellement heureux. Également parmi la foule immense ce jour-là, quelques vacanciers venus à Fès célébrer cette épopée grandiose de la Marche Verte, des Marocains du monde qui ont réussi à caler leur retour au pays avec ce 6 novembre qui coïncide cette année
avec le 49e anniversaire de cet événement majeur dans l'histoire du royaume. Allah préserve notre roi, Inch'Allah, et j'aime mon Maroc en tant que Marocain de l'étranger au Sahara Mourabia Khoya. En guise de fil conducteur et d'un tableau à l'autre, pouvait-on ressentir une même fibre patriotique, un même sentiment de cohésion et d'appartenance nationale à l'apogée et s'agissant de la défense de notre intégrité territoriale. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 18h30. Excellente soirée.